Bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour après deux petites semaines d'absence. Mon PC était tombé en panne et donc j'en ai racheté un nouveau qui me permet donc de faire des montages vidéo encore pour cette nouvelle recette qui nous vient tout droit du Sénégal. Un petit peu différente du couscous car les mêmes ingrédients en gros. Donc à tout de suite. En ingrédients, il vous faudra 500 g de bœuf, 6 pilons de poulet et 6 merguez. Un demi chou blanc, pas trop gros. Une aubergine. 3 petites courgettes. De l'huile d'olive. 2 beaux poivrons, donc un vert et un rouge. 5 à 6 petites carottes. 2 belles tomates, un gros oignon jaune et 2 gousses d'ail, une petite boîte de concentré de tomates, 2 feuilles de laurier, 2 cubes de bouillon de bœuf, cube or par exemple, du sel et du poivre. En premier lieu, après avoir pêché tous les légumes, on coupe le demi-chou en 4. On coupe l'aubergine et les courgettes en dés. On fait 1 litre de bouillon avec les 2 cubes. On coupe les tomates en quartier. On coupe les poivrons en dés, pas trop gros. On coupe les carottes en 4 dans le sens de leur longueur. On émince finement l'oignon et on hache l'ail. Alors dans une sauteuse, on va verser une belle quantité d'huile d'olive. Ensuite, on fait revenir la viande. Alors, uniquement le poulet et le bœuf. Les merguez s'ajouteront à la fin. Donc il faut que la viande soit bien dorée de toutes parts. Ensuite, on réserve, mais on garde l'huile de cuisson. Ensuite, on ajoute l'oignon et on le fait suer. Il faut que ça rentre toute l'eau. Ensuite, on ajoute encore un petit peu d'huile, car ça a bien diminué. Et on continue à faire cuire. Maintenant, on ajoute l'ail, que l'on mélange avec les oignons. Moi, je mets donc un demi-verre de vinaigre de vin pour déglacer. Ça remplace le vin blanc. Et pour le chef, c'est nettement meilleur. Donc, on attend que tout le vinaigre de vin s'évapore. Puis, on ajoute le concentré de tomate. Donc, on vide la petite boîte entièrement. Alors prendre des boîtes, celles qui sont vendues par 3. Et c'est ça, bien sûr, qui va faire rougir toute la sauce. Car les tomates ne suffisent pas. Ensuite, on ajoute les tomates. On mélange à nouveau. Et on laisse cuire un petit peu. Puis on verse le litre de bouillon que l'on aura préparé
au préalable. Et on mélange encore. Ensuite, on ajoute les feuilles de laurier que l'on incorpore à la préparation. Puis on plonge le chou. Alors tout d'abord le chou, bien sûr, parce que c'est quand même assez long à cuire, comme les carottes. Donc tout cela bien avant les autres légumes. Puis les carottes. On couvre et on porte à ébullition et on baisse le feu, on laisse cuire encore pendant une trentaine de minutes. Une fois cette étape terminée, donc on transvase le tout dans une grande cocotte. Moi j'ai pris une cocotte minute et on ajoute donc tous les légumes restants. Et on mélange à nouveau. Naturellement, il n'y a pas assez de jus. C'est là qu'on vient ajouter donc 1 litre d'eau à nouveau, de façon à recouvrir les légumes, comme ceci, mais pas trop, oui. Donc un petit litre. Ensuite, on sale bien, car il y a quand même une belle quantité, et on poivre. Alors le poivre du moulin, toujours, parce que il est un petit peu plus piquant que le poivre fin. Puis on couvre et on laisse mijoter encore une trentaine de minutes, ce qui fait déjà 1 heure de cuisson. Une fois cette étape terminée, on ajoute la viande, donc le bœuf et le poulet. On l'incorpore bien à la préparation. On met donc les légumes par-dessus. Vous voyez comme ceci. On couvre et on laisse mijoter encore 30 minutes, ce qui fait 1 h 30 de cuisson déjà. J'ai pourtant baissé le feu, mais ça bouillonne quand même. Et ensuite, on vient ajouter donc les merguez. On couvre et on laisse mijoter encore 10 minutes pour faire cuire les merguez. Donc pendant ce temps-là, dans une casserole, on ajoute à peu près 4 à 5 touches de sauce et on ajoute la quantité de riz désirée. Donc on met à peu près ce que l'on veut. Mais la sauce, donc, on la met par rapport au riz. Et on laisse cuire. Une fois que le jus est parti, donc le riz doit sortir rouge. Et voilà le résultat. Je vous remercie et je vous dis bon appétit. Et à bientôt pour une nouvelle recette.